plus extra-câble, parce que non seulement l'affaire dont il est inculpé, dont il est impliqué, n'est pas une affaire politique, mais une affaire de droit commun, corruption. Donc nous, malgré ceci, nous poursuivons également, sans état d'âme, tous les auteurs de corruption. Donc nous n'attendons pas à ce qu'il soit resté à Madagascar, parce qu'il va contaminer aussi les acteurs de corruption ici, alors que nous sommes en train de lutter âprement contre ce fléau.